Les initiatives du président de la République, Alassane Ouattara, pour faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère et aimé de tous, sont soutenues par les populations de Kong. Des imams venus de tous les départements de Kong, avec à leur côté les élus, les autorités administratives et les cadres de la localité, ont prié pour le chef de l'État dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Prier. Lecture coranique ont constitué les temps forts de cette journée. Les imams ont invoqué Allah afin qu'il garde toujours sa main sur la nation ivoirienne et qu'il guide celui-là même qui a la lourde tâche de présider aux destinées de ce pays. Les élus et les chefs coutumiers se félicitent de l'initiative. Tout le village de Kong a voulu célébrer le président Alassane et prier pour lui ainsi que tous ceux qui sont ses collaborateurs, sa famille. Et donc, on ne peut qu'être heureux. Que Dieu lui donne la force pour pouvoir terminer ce qu'il a commencé. C'est très important. Nous avons prié pour le président de la République afin que Dieu le guide et qu'il ait la force de travailler dans la paix et dans l'entente. Les imams du département de Kong ont promis de continuer cette prière dans leurs familles respectives afin que le Tout-Puissant déverse sa grâce en abondance sur la Côte d'Ivoire.